Chers web auditeurs, bonjour et bienvenue sur No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom. C'est avec un plaisir tout à fait descriptible que je vous retrouve après l'exceptionnel accueil que vous avez réservé à nos deux premiers opus. Aussi, je vous remercie de contribuer autant à la programmation de l'émission et vous garantis la bonne lecture de toutes vos propositions de sujets. Et pour ceux qui n'ont pas été au rendez-vous et qui n'ont jamais cliqué sur No Name TV, rappelons que le bureau de la dissidence est et sera un espace de liberté d'expression totale dans les limites du respect de tous et qu'il s'agira de convoquer des thèses peu communes ou des thèmes plus communs mais vus par des invités insoumis aux autorités établies. Cela étant dit, vous l'aurez compris, No Name TV revient et pour ce retour, nous ouvrons ce jour le premier volet d'une série d'interviews ayant trait à l'art et à l'éthique. Une réflexion qui nous amènera à débattre autour de la place de l'éthique dans l'art et ou de l'art dans l'éthique, un dossier qui nécessitera l'expertise de sociologues, d'artistes, de professeurs d'histoire de l'art, de philosophes, de théologiens, sans oublier bien sûr le point de vue de ceux sans qui, peut-être, l'art ne serait pas de l'art, c'est-à-dire ceux qui le contemplent, qui le touchent, l'exposent ou le monnayent. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans cette réflexion, un invité plus prestigieux que discuté. Je vais vous donner d'autres indices qui vont, à l'image de l'action d'un entonnoir, vous permettre de dessiner son visage. Le premier indice est que No Name TV va réaliser l'exploit de ne pas évoquer la mémoire de ses aïeuls. Aussi, n'ayez pas la mauvaise idée d'applaudir cet exploit, même là derrière votre écran, il serait capable de les entendre tellement il refuse les applaudissements. C'était le deuxième indice. Et toujours dans l'espoir de ne pas flatter son ego, sachez qu'il a été élu parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le Times Magazine en 2004. Enfin, quatrième et dernier indice, notre invité a rendu célèbre un mot. Et bien que ce mot résonne beaucoup dans les médias, nous sommes nombreux à ne pas en connaître la signification, comme l'atteste le micro-trottoir que vous allez découvrir. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'un moratoire ? Moratoire, j'en ai pas la moindre idée. Ah, c'est compliqué ça, c'est fait exprès ça. Franchement, je sais pas. Ouais, franchement, là, non, je suis pas obligé. Moratoire, tu vois, t'aurais mieux fait de répondre. Moratoire. Bah, c'est pas un temps d'arrêt entre deux. Je sais plus. Moratoire, je sais pas où dire du tout. Je pense que c'est la réflexion, je crois, soit sur un thème. Moratoire, c'est... Dirais-je. Oh là là, moratoire. Un conciliabule, une sorte de... réunion pour un sujet bien particulier. Alors, si notre micro-trottoir a les mêmes prétentions de fiabilité que les sondages des dernières élections du président de la République française, nous pouvons dire que nous sommes 4 Français sur 5 à ne pas connaître la signification du mot moratoire, un mot certes célèbre mais incompris et qui a en retour rendu notre invité célèbre et incompris en France. Pour ceux qui ne savent toujours pas de qui il s'agit, notre invité est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford à Londres et est directeur du CIL, le Centre international de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Chers web auditeurs, je convoque donc aujourd'hui au bureau de la dissidence Tariq Ramadan. Tariq, bonjour. Bonjour. Veuillez, s'il vous plaît, décliner votre identité, date, lieu de naissance et nationalité. Bien, écoutez, je suis né le 26 août 1962 à Genève. Je suis de nationalité suisse. Merci. Tariq, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tenter de définir ce qu'est l'éthique. Je dis bien tenter car très vite, je me suis rendu compte que définir l'éthique, en deux lignes, relevait du défi, voire d'une démarche peu sérieuse. Tant l'éthique recouvre de formes, au vu aussi de ses nombreux fondements et des divers domaines auxquels ces principes peuvent s'appliquer, ou non d'ailleurs. Alors, j'ai misé sur notre échange pour appréhender au mieux ce qu'est l'éthique.
Néanmoins, cela ne nous empêchera pas de nous entendre sur une définition assez large. Monsieur Ramadan, cher web auditeur, admettons que l'éthique est une réflexion autour de règles ayant pour but d'indiquer aux femmes et aux hommes comment agir et être dans la perspective de l'idéal d'une société. À ce titre, peut-on dire que l'éthique est la sagesse pratique conjointement à la philosophie qui serait la sagesse théorique ? Bah écoutez, j'aurais pas défini les choses de cette façon-là, même si je suis d'accord avec la première partie de votre définition. Je pense que l'éthique, c'est un champ de la philosophie. La philosophie pense l'éthique. Elle peut la penser à partir de la rationalité, comme elle peut la penser aussi à partir des références religieuses. Mais il s'agit bien de ces règles pratiques qui permettent aux femmes et aux hommes de pouvoir atteindre des objectifs de la dignité, des objectifs du bien-être, et qui sont aux Grecs ce que la morale est au latin. En fait, ce sont deux termes qui veulent dire la même chose, c'est la règle du bien et du mal. Après, la source et les objectifs peuvent changer. Certains penseurs ont dit que la morale était de faire les choses par devoir et l'éthique de les faire par amour. Ça rejoint... Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que l'éthique, ce soit forcément une dimension de l'amour. Je pense que le philosophe Ricoeur, quand il détermine les sources, il met en évidence que la dimension de l'éthique, il y a une dimension de la rationalité, il y a une dimension de la construction par le bas, alors que souvent la morale, c'est un donné, un révélé par le haut. On parle beaucoup plus de morale pour la religion et d'éthique pour la rationalité, mais ce n'est pas forcément une approche de cœur pour l'éthique et une approche de raison ou d'imposition pour la morale. Je pense que les choses sont beaucoup plus liées à un cadre qui permet l'agir humain ou qui l'oriente. Donc des choses que l'on règle ? Des choses que l'on règle. L'éthique, c'est la régulation. C'est la régulation. Quand on parle d'éthique dans l'art ou d'éthique dans la politique ou dans l'économique, on essaye de réguler l'agir humain en disant qu'il y a des limites à l'agir humain, il y a des choses qui ne se font pas et puis il y a des choses qui se font et qui se promeuvent. On a vu qu'il y avait donc aussi plusieurs fondements d'un point de vue de l'islam. Déjà, peut-on dire l'éthique islamique ? C'est correct de dire ça ? Bien sûr. Alors, l'éthique islamique, par définition, se fonde-t-elle uniquement sur les sources scripturaires que sont le Coran et la tradition prophétique ? Alors non, au départ, bien entendu, ce qu'on appelle les tafsils, c'est-à-dire la source de l'éthique islamique, va bien sûr être, ça va être les sources scripturaires, c'est-à-dire le Coran et la tradition du prophète. Mais il y a d'autres sources à l'éthique. Ce peut être, par exemple, quand on revient au Coran, vous avez le mot qui est utilisé dans le Coran, c'est « el ma'rouf ». « El ma'rouf » veut dire en arabe « ce qui est connu parmi les hommes comme étant de bien ». Et le principe premier en islam, « l'asl fil ashiya el ibaha », le principe premier, c'est la permission. Donc il y a dans le non-dit, dans l'agir, dans le culturel... Il y a avec la coutume alors. Exactement, exactement. Il y a quelque chose qui a à voir avec le « reconnu parmi les gens comme étant de bien ». Alors ça, c'est une autre source. Et puis il y a la rationalité. Le savant musulman, qui était aussi un philosophe, qui était aussi un mystique, qui était aussi un être qui avait promu une certaine philosophie de vie, Abu Hamed el-Razali, au XIIe siècle, il dit une chose tout à fait particulière. Il dit « le Coran, c'est la révélation externe, et l'intelligence, c'est la révélation interne. » C'est la révélation. Donc la rationalité peut produire de l'éthique. À partir du moment où, par exemple, on va trouver de nouveaux moyens techniques, on va trouver de nouveaux modes d'expression. Tout cela, on ne le trouvera pas dans le Coran. Donc, entre les textes qui orientent et la raison qui produit, on peut trouver une autre source de l'éthique Alors, appliquée. Alors, quelle est la marge de manœuvre, justement, entre la raison et les sources scripturaires, éventuellement je veux dire, quelle est la part d'universalité ? Voilà, quelles sont les valeurs que vont partager l'éthique musulmane avec l'éthique entendue comme plus générale ?